Everybody's climbing. Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des codes de triche, des cheat codes. Avant de commencer la vidéo, juste 30 secondes, j'aimerais vous dire que j'aimerais vraiment développer cette chaîne. Donc s'il y a des trucs qu'il faut que j'améliore, surtout n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Voilà, c'était tout. Maintenant passons au sujet de la vidéo. Bien, les cheat codes. Quand vous allez dans le menu Start en fait et que vous allez dans Paramètres, il y a le bouton Triangle, code de triche. Quand vous le maintenez, vous voyez qu'en fait il y a des cases, il est écrit inconnu avec des cadenas. Ce sont des cases qui vont servir à rentrer des codes de triche, qui vont vous débloquer certaines compétences ou encore à faire plein de trucs en fait. Alors comment on fait pour obtenir ces codes de triche? Il faut savoir que dans chaque ville, par exemple là tout de suite on est à Annesbourg, vous avez ces vendeurs de journaux. Vous allez vers eux et vous achetez un journal. Là vous allez voir qu'il y a plusieurs numéros. Vous les achetez tous. En fait, plus vous avancez dans l'histoire et plus je crois que vous débloquez des journaux. Alors il n'est pas le seul, hein. Il y en a d'autres dans chaque ville. Il y en a un ici à Annesbourg, il y en a un autre à Valentine, je crois. Tout d'abord, il faut savoir que quand vous activez un cheat code, il faut savoir que ça désactive les trophées dans votre progression solo. Donc la petite précaution que moi je vous recommande de faire, c'est d'aller dans Histoire, sauvegarder la partie et vous sauvegardez la partie. Voilà, vous sauvegardez votre partie actuelle histoire de ne pas perdre votre progression en fait quand vous utiliserez les cheat codes. De toute façon les cheat codes c'est juste pour s'amuser, hein. Tu vas pas t'en servir pour progresser dans l'histoire. Très bien, pour obtenir les cheat codes il vous suffit d'ouvrir la sacoche, d'aller dans la section documents. Et là vous allez dans journaux et vous allez voir tous les numéros que vous possédez. Allons par exemple dans le numéro 30. Vous lisez le journal et quand vous le retournez normalement, voilà, vous avez le cheat code qui est inscrit en bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Greed is American Virtue. Le petit accent anglais. Voilà, c'est ça le cheat code. Retenez-le bien, je sais pas, prenez-le en photo, écrivez-le. Parce que quand vous allez rentrer le cheat code, il va falloir respecter les espaces et tout. Il va falloir rentrer le cheat code mot pour mot. Pour le rentrer, justement, il vous suffit d'appuyer carré, d'aller dans paramètres, appuyer triangle, cheat code. Et là, vous avez toutes les cases. Pour entrer le code, il vous suffit de faire triangle à nouveau. Et là, vous inscrivez le code. Une fois que vous avez rentré le code, il vous suffit de valider. Et là, vous avez un message. Vous avez déverrouillé une triche avec succès. Vous validez. Voilà. Pour savoir à quoi sert ce code, il vous suffit de lire la petite description à gauche. Le code triche. Le code de triche armes lourdes permet d'accéder à un ensemble d'armes lourdes. Ok. Pour l'activer, il vous suffit juste de balancer avec la touche directionnelle à gauche ou à droite. Et là, voilà la raison pour laquelle j'ai fait une sauvegarde juste avant. Le message nous dit « Attention, en activant un code triche, vous renoncez à la possibilité de sauvegarder votre progression et d'obtenir des trophées en mode solo. Voulez-vous vraiment activer le code triche ?» Et là, si vous voulez, vous dites oui, tout simplement. Et vous avez toutes les armes qui sont accessibles. Voilà, ce code triche il est parfait en fait pour les débutants qui n'ont pas encore accès à toutes les armes. Moi j'ai déjà accès à toutes ces armes donc ça change rien pour moi. Mais si vous êtes débutant, ça peut être intéressant pour vous. Vous avez accès au fusil à pompe dès le début. Vous avez aussi accès à ce magnifique fusil
que j'aime beaucoup, je m'en sers beaucoup, je le trouve vraiment magnifique. Si vous voulez activer un autre code triche, pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ouvrez la sacoche, vous allez dans la section documents, vous choisissez un autre journal, par exemple le numéro 27. Vous allez sur le numéro 27, vous retournez le journal et là, comme tout à l'heure, on a le code triche juste en bas. Abundance is a deadless desire. Excusez mon accent anglais, je sais que c'est vraiment horrible à entendre. Mais on n'est pas là pour un cours d'anglais. Hein? Comme tout à l'heure, vous allez dans paramètres, code triche et là, vous sélectionnez à nouveau une case vide. Vous entrez le code triche et là c'est très important, hein, vraiment. Je vous promets, vous devez vraiment tout mettre en minuscule. Si vous mettez tous les mots en minuscule et qu'il n'y a qu'une seule lettre en majuscule, le code triche ne sera pas accepté. Voilà, vous avez déverrouillé un code triche, enfin une triche avec succès. Là, vous allez sur le code triche et vous lisez la petite description à côté. Le code triche munitions illimitées vous permet de disposer d'une quantité illimitée de munitions de tout type pour toutes les armes. Voilà, vous avez des munitions illimitées comme tout à l'heure. Pour l'activer, il vous suffit de dire oui. Et je pense que ce code triche se couple bien avec celui d'avant vu que vous avez accès à toutes les armes lourdes et à ce moment-là, vous pouvez tous les utiliser. Par exemple, sur le fusil à verrou, je peux directement switcher sur les munitions explosives, les balles explosives. Et là, quand je tire, vous voyez, explose. Vous avez aussi accès aux armes de lancer en quantité illimitée. Par exemple, regardez. Vous aussi utiliser de la dynamite. Voilà tout ce que je pouvais dire sur les codes triches. Et pour revenir à votre partie normale, il vous suffit de revenir à la sauvegarde que vous avez fait tout à l'heure. Vous accédez à la sauvegarde et vous faites charger la partie. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est une méthode sympa pour éviter tout type d'ennui s'il y en a après. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like et abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà.